Salut, c'est Cascole, on se retrouve une nouvelle fois sur la Recalbox et je me suis dit qu'avec le succès du nouveau Avengers, donc Avengers Infinity Wars, ça pourrait être intéressant de voir justement un jeu où on voit les Avengers, ou en tout cas une partie des Avengers qui combattent Thanos, et donc j'ai choisi Marvel Super Hero. Au passage, je vous ai fait un petit overlay, enfin un petit bezel que je mettrai en description pour ceux que ça intéresse. Et on va voir un petit peu à quoi il ressemble ce jeu. Alors, je peux déjà vous dire qu'il est vachement bien. Il est vachement bien, par contre, ça fait longtemps que j'y ai pas joué et je ne sais pas si ça va aller. Allez, on y va. Donc, on voit que c'est pas les mêmes personnages que dans le film, hein, évidemment, puisque les droits dans les films, c'est compliqué. On voit qu'on a les X-Men, on a quelques Avengers. Je vais prendre Hulk, hein, d'ailleurs, je vais prendre Hulk. On verra. Voilà. Je vais jouer en normal, je vais pas le mettre en turbo, on va déjà voir ce que ça donne. Et alors je sais plus trop comment ça va, mais je sais que chaque personnage a au début en sa possession une des gemmes d'infini. À chaque fois qu'on bat un adversaire, on va pouvoir récupérer la sienne. Donc on voit que là j'ai la gemme de puissance et que lui il a la gemme de réalité. Alors, je vais essayer de pas faire trop. Et quand on se fait frapper, qu'on tombe, on la fait tomber, l'adversaire peut déjà la ramasser pendant le combat. Allez, je me fais défoncer. Hein. Ah non. Il a utilisé le pouvoir de la gemme de réalité. Le problème, c'est que je ne sais plus comment on utilise le pouvoir des gemmes. Oups. Là, là. On va tenter un truc. Ouais, ça passe. Voilà. Jusque-là, ça va. C'est pas mal. J'essaye des trucs, voilà, j'essaye des trucs. On va refaire la même chose que tantôt, ça avait bien marché, mais je vais essayer de le faire au cac pour dire de tenter de le toucher deux fois. Ça va être difficile. Bon, tant pis, je suis. Ah zut, il a utilisé ma gemme. Et en plus il a... Merde. Il en a utilisé la capacité, donc je pense que je l'ai perdu et que je vais me retrouver sans aucune gemme au combat suivant. On va voir ça. On est contre Iron Man. J'aime bien ces petites introductions qu'on voit dans le stage. Iron Man, ah non, j'ai récupéré les deux gemmes, ça c'est quand même cool. J'ai déjà celle d'Iron Man, c'est pas mal. Non, ça c'est à moi, tu touches pas. J'appuie sur tous les boutons, mais franchement, je ne sais pas comment on utilise ces gemmes, donc je me renseigne. C'est pas vraiment important, le truc c'est de venir essayer de présenter le jeu. C'est dommage parce que je saurais pas vous montrer Thanos, étant donné que c'est un boss. Zut. Ça doit lui faire tout drôle à Iron Man de se prendre une lune. Ah zut, allez! Allez, j'arrive plus à sortir. Ah bah non, je me trompe de touche, c'était pour ça. Ah, ça va pas le faire. Bon, on va essayer de faire mieux. Raté.
Comment qu'on fait ça? Moi, je voudrais savoir. Oh, oh. Bon, là, j'ai bloqué, mais ça fait mal quand même. Ah, là, il y a moyen. Oh, zut, non, il n'y a plus moyen. Bon, bah, tant pis. Voilà, donc, je vous mets ce buzzel en description. Et je vous souhaite un bon amusement. Voilà, c'est tout. Évitez, peut-être, si vous avez envie de discuter du film dans la discussion, ça me dérange pas. Évitez quand même de spoiler, voilà, faut penser aux autres. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!